Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentières du mercredi 18 décembre. Au sommaire de cette édition, la séance plénière de la commission armentiéroise pour l'accessibilité des personnes handicapées, le marché de Noël solidaire, les événements à venir avec l'agenda et enfin la météo de cette semaine. Tout de suite, place à l'actu. Jeudi dernier, la commission armentiéroise pour l'accessibilité des personnes handicapées a tenu sa deuxième séance plénière dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville. Le bilan de cette année 2013 est positif puisque diverses actions ont été menées en collaboration avec les commerçants et les établissements scolaires de la ville. Cette séance a aussi permis aux différents groupes de travail de définir les prochaines perspectives pour 2014, comme par exemple l'élaboration d'un guide sur l'aménagement d'un logement accessible aux personnes à mobilité réduite destiné aux bailleurs privés. Vous étiez nombreux à vous rendre au marché de Noël solidaire ce week-end. Vin et chocolat chaud, crêpes, friandises, les comités de quartier avaient tout prévu pour que nous n'attrapions pas froid. Comme chaque année, une longue file d'attente s'est formée devant le stand photo avec le Père Noël. Les visiteurs ont aussi pu réaliser quelques emplettes puisque divers produits y étaient vendus. Objets de décoration, perles pour les cheveux et bien d'autres. Les dons récoltés par les bénévoles seront reversés aux associations caritatives locales. Tentez de remporter un bon d'achat d'une valeur de 50 euros avec notre partenaire toncadeau.com en vous rendant sur notre page Facebook Armentières la Métamorphose. Bonne chance à tous! L'année 2013 touche déjà à sa fin. Toute l'équipe d'Armentières TV vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous dès l'année prochaine en pleine forme! Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons de bonnes fêtes et à l'année prochaine.